Bonjour frère et soeur, bienvenue sur ce point. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, que Dieu protège vos enfants. Regardez à l'écran. Regardez à l'écran, s'il vous plaît, mes frères et soeurs. Regardez ici. Que peut me dire ce qui se passe ici? Que se passe-t-il ici, là? Ah! Vraiment, Seigneur, pardon, il faut nous protéger. Il faut protéger nos enfants. Parce que sans toi, non, c'est pas possible. Quand vous regardez la fille, vous voyez une petite fille. Mais ce qu'elle est capable de faire peut détruire la vie de toute une famille. Regardez ça. Je dis, mais regardez bien, regardez très bien, regardez très bien. La fille, elle est envoyée par de mauvaises personnes dans un quartier pour capturer l'enfant d'une inconnue. Ça dit, Jean, si toi tu habites à Paris ou dans les quartiers de Paris, on la voit, cette fille-là là-bas, et pendant que vos enfants sont en train de jouer, elle s'assoit, les pieds regarde qui va pour me partir. Et elle arrive, elle prend l'enfant, elle prend votre enfant, et puis elle gagne temps. Maintenant, l'enfant a commencé à pleurer et tout ça. Il y a beaucoup de choses. C'est interpeller les gens. Regardez le cas ici, regardez le cas. Où les gens qui sont derrière, non? Ça a interpellé. Ils se sont dit, mais allons voir. Souvent, il faut. Non, vraiment, il est béni Dieu. Ici, ce n'est pas Dieu. Non, les gens n'allaient pas s'apercevoir parce que la petite fille qui a volé les enfants, elle est une jeune fille. Les gens sont venus. Ils disent, mais ah toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a du mal à parler. Est-ce que c'est ton enfant? Elle ne sait même pas ce qu'elle va dire. Ah, toi, c'est pas ton enfant, tu ne sais même pas. Tu sais même pas. Elle ne veut pas. Les gens l'ont commencé à filmer en même temps. Ils sont venus. Eh, venez, 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 venez. Voilà une volée d'enfants. Oh, voici une volée d'enfants. Et elle tient l'enfant. Pied serré entre ses mains, comme si c'était son enfant. Elle ne connaît pas son nom. Elle, tout ce qu'elle sait, c'est sa mission. Aller prendre l'enfant des gens pour partir, donner à je ne sais pas à qui. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est par rapport à quoi? Pour beaucoup de personnes, les gens pensent que c'était pour aller fondre l'enfant là. Ou bien, pour aller faire les sacrifices rituels. Pour avoir de l'argent. Pour avoir tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que tout se passe. Juste parce que toi, tu veux un iPhone. Tu vas aller voler l'enfant des gens pour le donner à qui? Ou bien pour le revendre l'enfant? Ou bien qu'est-ce que tu t'es censé faire avec l'enfant des gens? Mais il faut essayer, soyez vraiment vigilants. Soyez vraiment vigilants. Maintenant, nous-mêmes, là, nous devons devenir des policiers. Ouais. Maintenant, nous-mêmes, nous devons devenir des policiers. Dès qu'on remarque une chose suspecte dans le quartier, dans la ville, dans le pays, on va commencer à poser des vraies questions aux gens maintenant pour savoir de quoi il s'agit. Et puis la chose la plus ouf de cette affaire, la chose la plus la plus c'est que la fille là, c'est une petite fille, celle qui a voulu voler l'enfant. Elle n'a pas de gens pour dire elle a 20 ans, ben elle a 30 ans. Parce que la plupart du temps, pour venir voler l'enfant des chats là, ce sont les grands qui viennent. Ouais, de grandes personnes. Quand c'est ça, c'est des grandes personnes. Qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que ah, ça, on peut le savoir facilement. Mais ici, ce sont les enfants. Ici, ce sont les enfants. Peut-être que quand vous allez voir cette image, vous allez dire que ah, c'est ça. L'enfant qu'elle a, c'est sa grande soeur. Mais elle dit que ah, c'est sa grande soeur. Vous n'aurez pas de soupçons.
vous n'avez rien soupçonné. Alors qu'en ce moment, sur les vacances, non. Alors qu'en ce moment, sur les vacances, non. Peut-être que sur les vacances, au moins, assis là, tranquillement, de fêter sa musique. Les gens disent que, oh, c'est sur les vacances. C'est-à-dire que les enfants seront remplis dans la cité en train de s'amuser à 16h. Donc, nous aussi, à 16h, là, on va aller s'amuser et. Ouais, on va aller s'amuser et. C'est là maintenant les plans se mettent sur pied. Bon, c'est où sont les parents? Les parents sont en train de réfléchir sur leurs affaires, les histoires, vaquer les occupations. Peut-être qu'ils ont laissé peut-être une nounou avec l'enfant. Vous les nounous là, faites attention. Vous les parents, vraiment faites grave attention. Faites vraiment grave attention. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout autour des enfants aujourd'hui. Les enfants vraiment sont très menacés hein, de ce monde. On peut mentir sur vous et hein, que vous maltraitez votre enfant. Juste pour que des gens de l'Isère Paca, service social, viennent prendre l'enfant. Maintenant qu'ils ont pris l'enfant, ce qui va se passer là-bas, c'est qu'ils vont commencer à violer l'enfant. Peut-être que vous êtes en train de lutter pour reprendre votre enfant devant la justice. Ce qui se passe de ce monde contre les enfants, hein. On n'en parle pas trop, hein. Mais c'est grave, hein. Viol sur mineur. Hey, il y en a. Attouchement sexuel. Ah, il y en a. Aujourd'hui, les gens disent que, oh, on va apprendre la sexualité aux enfants et certaines choses. Maman, papa, toi à la maison, faut t'asseoir avec ton enfant. Aujourd'hui, l'âge ne compte plus. Les choses ont. La méchanceté a dépassé le niveau. Donc, vous, soyez au-dessus de tout ça. Faites asseoir vos enfants et parlez-leur. Parlez-leur sérieusement de tout et de tout. Dites-leur que ce monde, ce n'est pas un bon monde. Ce monde où vous les avez envoyés là, ce n'est pas un bon monde. Ce monde est un monde vraiment mauvais. Et il faut vraiment prendre des dispositions. S'ils voient une personne inconnue s'approcher d'eux, qu'ils se mettent à courir et rentrer à la maison, ou à crier pour alerter le voisinage. Parlez à vos enfants, les mamans, les papas. S'ils voient l'école, eux qui remarquent à l'école, telle ou telle personne a touché à leur partie intime, il faut qu'ils signalent à leurs parents. Dites, parlez, assez, faites asseoir vos enfants et parlez-leur. Parlez-leur sérieusement. Donnez-leur même des armes spirituelles, c'est-à-dire apprenez-leur à prier. Faites-leur connaître qui est Jésus, qui est Dieu, pour ne pas que le diable vienne le faire à votre place. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'enfants initiés. Et quand il y a des enfants initiés qui grandissent là, ils n'ont pas peur de faire ça. C'est-à-dire voler l'enfant des gens. Regardez ça. C'est-à-dire que quand la fille était petite, le diable l'a initiée à la sorcellerie. Et depuis, dans la sorcellerie, elle ne fait que faire même le connu, même tuer les gens. Physiquement, elle peut faire même pire que ce que vous êtes en train de voir ici. Et puis, elle donne l'aide de quelqu'un qui n'a rien fait. Mais regardez de quel problème elle s'est mise. Là, le diable a jeté dans le. Oh! Comment le dire? Le diable. Non, le diable l'a jeté dans le problème de ce problème, quoi. Elle va aller à la police. Elle va recevoir sa peine. Juste comme ça. Juste comme ça. La jeune petite fille venait aussi riche. Elle est des grandes dames. Elle voulait de grosses voitures. Ah, ma petite, attends ton temps. Va à l'école. Parce que tu vois ça sur les réseaux sociaux. Parce que tu vois ça un peu partout. Tu veux marquer ta génération. Tu n'as même pas 18 ans. Tu veux marquer ta génération par rapport à quoi?
Comment? Si tu as un don de Dieu et qu'avec ce don-là, tu peux vraiment impressionner les gens parce que les gens n'ont jamais vu ce don-là, tu peux le faire. Si tu as une belle voix, pendant que tu as même 16 ans, ou bien tu as même 12 ans, est-ce que tu as bien fait tout de bruit? Ta voix va parler à ta place. Le succès va venir à toi-même. Mais là encore, il faut faire grave attention. Mais c'est le message que je voudrais vous passer là pour commencer. Parce que moi, je viens de me réveiller et puis je viens de voir ça. Non, je ne pourrais pas vous laisser comme ça. Donc, je suis venu vous parler de ça. Pour attirer votre attention. Soyez vigilants, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur vos enfants, les gars. Ouvrez les yeux sur vos enfants, les gars. Je vous donne rendez-vous au prochain vidéo. C'est parti.